19h. On part du port de Polenza. Et il fait déjà une chaleur. Et on est le 9 octobre. Vraiment, cette baie de Polenza est grandiose, hein, c'est grandiose. On a eu affaire jusqu'à présent à beaucoup de calas, ce qu'on appelle des calas, mais pas de grandes baies comme ça, et surtout super protégé, quoi. C'est super protégé ici. Comme on peut le voir là, l'eau, c'est comme on a l'impression d'être sur un lac. Alors qu'on est quand même au nord de Majorque, de l'île de Majorque. Donc on subit la houle principale venant du nord et le Mistral aussi. On a quand même subi une nuit là 30 nœuds de vent ici, donc dehors ça devait aussi être très fort, mais il y a un effet Venturi ici, qui provient de cette trouée là dans la montagne et qui accélère le vent. Donc nous sortons au moteur de la baie de Polenza. Nous allons faire le tour du cap là, dont je me souviens plus le nom, et ensuite nous allons redescendre vers le sud. Le Cabo Formentor.
prévision, le vent est beaucoup plus soutenu que prévu, puisqu'on a, 13 nœuds, 13-14 nœuds, vent arrière, mais on ne fait pas du vent arrière, on tire un peu des vents pour que ça soit plus confortable, parce que la houle est aussi plus importante que ce qui a été annoncé. Donc on a bien là, de temps en temps, on a 1m50, 1m80 de houle. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. La côte est magnifique et sauvage. Voilà. On a eu, il faut le dire, on a eu il y a une heure maintenant, un petit incident, une petite frayeur. La manille du chariot de grand voile, de la poulie de grand voile, s'est désolidarisée, s'est dévissée. Et on n'avait plus d'écoute de grand voile. Heureusement, le frein de baume a fait son job. Il a freiné le tout, donc il n'y a pas eu d'à-coup, il n'y a pas eu d'embardé, il n'y a rien eu. Seulement, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? La poulie, elle se balade là, et la voile était complètement perpendiculaire. Donc il a fallu remettre ça, resserrer, rapprocher les deux bouts de la manille qui avait un peu... était un peu tordue. Voilà, donc ça nous a pris un quart d'heure de manœuvre. Voilà. C'est des petits incidents de la navigation à la voile. On va être là, on a fini. Fini, on vient de miner. 5h30. On va faire un bateau. 3h30 comme prévu. Un bateau qui va nous croiser. 3h30. Un bateau qui nous croise devant. Il est à 1000 là. Je ne sais plus si c'est 2 ou 1. Alors on est juste à l'extérieur tout ça. Je ne dis pas comme ça. Pas se faire tomber. C'est rigolo. Ouais. Tu vois en vert. Pirates. On va être abordé par les pirates.
nous entrons dans la baie de Seguir, accueillis par un magnifique trois-mâts.